Il y a un milliard de choses qu'on peut perdre dans une vie et ça peut aller des plus simples aux plus graves. On peut perdre ses clés, grand classique, une paire de chaussettes, ça c'est la faute au lutin farceur. Mais on peut aussi oublier une conversation, le visage de quelqu'un qu'on a aimé, ou encore pire que tout, on peut s'oublier soi-même. Salut les gens! Cette semaine, je vais vous demander de lâcher votre esprit pragmatique parce que je compte vous embarquer pour un étrange pays où on peut vendre ses souvenirs aux enchères contre l'illusion du bonheur, se noyer dans un océan de larmes perdues ou encore errer dans une forêt en plein désert. Ce monde fascinant, c'est celui du pays des rêves oubliés, écrit par l'autrice italienne Lavinia Petti et paru aux éditions Seuil. Je vous le dis d'emblée, ce livre, c'est un des plus beaux que j'ai eu l'occasion de lire depuis le début de cette année. Du moment où je l'ai ouvert jusqu'à celui où je l'ai fermé, il n'y a pas eu un seul instant où je ne l'ai pas trouvé génial, original, profond et émouvant, et pour une fois, je vous le dis de but en blanc, j'aimerais vraiment beaucoup vous engager à lire ce livre en espérant qu'il vous apportera autant de plaisir qu'il m'en a procuré. D'ailleurs, il y aura un petit concours à la fin de la vidéo où vous aurez l'occasion d'en gagner 2 exemplaires. Maintenant, surtout, lâche ta boussole si t'en as une à la main, parce que le meilleur moyen de voyager aujourd'hui, ça va être de perdre le nord. Tu viens ? L'histoire débute dans le quartier espagnol de Naples, où l'on va suivre Antonio Maria Fonte, un écrivain cinquantenaire qui n'aime ni son nom, ni sa vie, ni les gens. La seule personne qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est sa chatte borgne Calliope, à qui il dédie tous ses livres qui connaissent d'ailleurs un franc succès auprès du public. Mais ça, Antonio Maria Fonte, il en a plutôt rien à foutre. Le jour de son 50e anniversaire, Antonio va tomber par hasard sur une lettre écrite de sa main qui date de 15 années auparavant et au dos de laquelle se trouve le portrait d'une jeune femme aux cheveux verts. Le souci, c'est que cette lettre, Antonio ne se rappelle absolument pas de l'avoir écrite. Dans ce mystérieux courrier, Antonio s'adresse à une femme du nom de Genève Poitiers et il lui parle de son passé, évoque des anecdotes sur son père et histoire de rentrer dans la franche rigolade, il parle également à demi-mot d'un meurtre qu'il aurait commis. Amnésie quoi. Alors avec ça, vous vous doutez bien que n'importe quelle personne normalement constituée se demanderait quand même si elle a pas un sacré pet au carafon, mais c'est pas tout, parce que dans sa missive, Antonio va également parler à plusieurs reprises de Tirnaïl, en expliquant qu'il s'agit d'un pays où se retrouvent les choses ou les personnes perdues et oubliées. Voilà, maintenant, fait avec. Antonio va alors commencer à être obsédé par Genève Poitiers et se poser des questions sur son passé, il y en a qui le feraient pour moins que ça, et finalement, un jour qu'il prend l'ascenseur et appuie sur un bouton censé ne mener nulle part, je vous préviens, ça va devenir un peu perché. Il débouchera en pleine nature, au lever du soleil, près d'un volcan, c'est pas fini, à côté d'un peintre face à une toile blanche qui lui demandera de lui trouver un nuage en forme d'ornithorynque. Je pense que vous vous en doutez, Antonio a finalement atterri à Tirnaïl, un étrange et énigmatique pays où finissent toutes les choses perdues ou oubliées, qu'il s'agisse d'objets, de personnes ou encore de souvenirs. Notre héros se lancera alors dans l'aventure à la recherche de Genève Poitiers qui semble habiter ce monde et détenir les clés de son passé oublié. D'après ce que je viens de vous dire, il y a de fortes chances que vous pensiez qu'on se trouve là dans un récit loufoque sans queue ni tête, ou encore dans un roman de fantasy, mais non. Le pays des rêves oubliés, c'est avant tout un récit onirique magnifiquement écrit avec une portée symbolique très forte. L'autrice a campé un monde incroyable et merveilleux qui semble défier la logique à bien des égards, et c'est vrai qu'en tant que lecteur on peut être confus, mais c'est un élément essentiel à l'histoire parce qu'il ne faut pas oublier que le personnage principal est perdu au pays des choses perdues. Donc tu te doutes bien qu'y aller avec l'esprit d'un explorateur armé d'une carte et d'une boussole, ben ça marche pas. Pour vivre pleinement cette lecture, il faut accepter de lâcher prise sur ce qui nous semble rationnel parce que ce que tente de nous décrire Lavinia Petti à travers Tirnaïl, c'est la représentation physique de la mémoire et de l'inconscient d'un homme. À Tirnaïl, on retrouve des illusions qui vont symboliser les souvenirs qu'on enjolive, mais aussi des personnages terrifiants et angoissants qui représentent les traumatismes qu'on refoule, et il appartient à Antonio de s'y perdre comme pour vivre dans un passé fantasmé, ou d'y chercher la vérité quitte à ce qu'elle soit déplaisante. Alors oui, si vous voulez profiter pleinement du pays des rêves oubliés, il faudra accepter par exemple d'ouvrir la porte d'une maison et tomber dans le fleuve d'une grande ville, de se retrouver perché à des mètres d'altitude dans une cabine téléphonique sans raison apparente, de rencontrer une fille aux cheveux verts phobique des libellules qui en a pourtant des vivantes tatouées sur ses poignets. Mais croyez-moi, se perdre dans ce livre, ça vaut vraiment le détour parce que les réflexions et les réponses qu'on finit par y trouver, elles sont aussi belles qu'importantes. Alors avec tout ça, faudrait quand même pas oublier Antonio, notre écrivain misanthrope qui au début du livre est une formidable tête à claque, qu'on ne peut pas s'empêcher de finir par aimer très très fort. En se lançant à la recherche de son passé oublié, c'est surtout lui-même qu'Antonio va tenter de retrouver, et on entre en plein dans une quête initiatique et identitaire qui va contaminer le lecteur. Au fur et à mesure de son aventure, la question qui va se poser au héros, c'est de savoir si tout souvenir mérite d'être gardé en mémoire, et plus particulièrement les plus douloureux. Il faut du courage pour oublier. Mais ce souvenir,
c'est le vrai supplice des êtres humains. Je me suis toujours demandé comment un homme peut vivre avec le fantôme de tout ce qu'il a été et le spectre de tout ce qu'il ne sera jamais. Il ne peut pas, voilà pourquoi il meurt. Nous ne vieillissons pas à force de vivre notre vie, mais à force de nous en souvenir. Au début de son parcours, Antonio est complètement obnubilé à l'idée de retrouver Genève Poitiers, et dans son obsession, il en vient à prendre à la légère ce qui l'entoure à Tirnaïl. Il agit comme un homme qui pense qu'on peut sélectionner sans trop de conséquences ce dont on veut se rappeler ou pas, mais il va vite comprendre qu'oublier volontairement, c'est prendre le risque de se détacher d'une partie de soi qui peut faire toute notre essence. Imaginez par exemple que lors d'une vente aux enchères, pas comme les autres, on vous propose de passer 5 minutes avec une personne que vous avez profondément aimée et qui a disparu, mais en échange de votre plus beau souvenir. Est-ce que vous le feriez? Je ne dis pas que la réponse à cette question est facile, bien au contraire, et c'est justement ce qu'essaye de nous faire comprendre Lavinia Petit dans son livre. On peut choisir d'oublier par commodité dans une vie, et alors ça n'engage pas grand chose, mais aussi par survie dans le cas d'épreuves très douloureuses. Et si l'occasion de se rappeler se présente, il appartient à chacun de faire son propre choix, tout en sachant que quelle que soit la décision prise, elle pourra tout changer, pour le meilleur comme pour le pire. Antonio, en arrivant à Tirnaïl, il n'avait aucune conscience de tous ses enjeux. Il débarque un petit peu comme un touriste déterminé à trouver ce qu'il cherche et à repartir en se débarrassant au passage de 2-3 trucs qu'il encombre dans sa mémoire sans trop se poser de questions. Mais là où tout va changer et que notre héros va évoluer, c'est qu'il va être accompagné dans sa quête par des habitants de ce monde qui ont été oubliés. Ces habitants, ils ne connaissent plus leur nom, plus leur passé, plus leur famille, plus leurs rêves ni leurs espoirs, et ils se disent que s'ils sont coincés à Tirnaïl, c'est parce que personne ne se rappelle ou ne veut se rappeler d'eux. Je vous laisse imaginer la tristesse de la chose quand même. À travers leur tragédie, les compagnons d'Antonio lui feront comprendre l'importance de ne pas traiter ses souvenirs à la légère, parce qu'ils n'engagent pas toujours que nous. Tout ça va donner lieu dans le livre à des dialogues bouleversants, et je peux vous assurer que ça prend très fort au cœur. En ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'Antonio était un très beau personnage, profondément vrai et humain, qui va conquérir par lui-même l'épaisseur qui fait l'étoffe des meilleurs héros littéraires. Il est imparfait, il a fait au moins un million d'erreurs dans sa vie, mais il essaie de retrouver son passé de toutes ses forces pour rendre justice à ceux qu'il a aimés. La grande force de ce livre pour moi, c'est qu'il nous permet de voyager dans un imaginaire aussi beau qu'immersif, mais c'est pour mieux nous ramener à nous-mêmes en traitant de sujets difficiles et sensibles sans qu'on verse pour autant dans le sentimentalisme. Le destin d'Antonio, il pose une grande question au lecteur qui est « Vaut-il mieux vivre le moins malheureux possible dans l'ignorance ou tourmenté dans la vérité ?» Je vous le dis de suite, Lavinia Petit offre une réponse à cette question dans son livre et je l'ai trouvée très belle, pleine d'espoir, sans qu'elle soit pour autant manichéenne. Il y a également des thématiques très dures qui sont abordées au sein même de Tirnaïl, le monde imaginaire que l'autrice a inventé. Il y est par exemple question de la dépression, du deuil et même de l'infanticide. Et ouais. Tous ces sujets, Lavinia Petit, elle les traite de manière délicate, avec une plume que j'ai adorée parce qu'elle mêle le populaire au poétique, et on se trouve avec une écriture de la vie qui est simple mais aussi très profonde et sensible. Avec un vocabulaire particulier, elle arrive à donner une touche cocasse et tendre même aux situations les plus dramatiques sans qu'on les prenne pour autant à la légère, et j'ai adoré ça. Je ne peux pas vous en dire trop, mais pour moi c'est un livre qui baigne véritablement dans l'acceptation et le pardon qu'on doit accorder à ceux qu'on aime, mais aussi à nous-mêmes. Tirnaïl est un monde que j'ai trouvé magnifique, ça c'est un fait, mais c'est aussi un lieu qui, à travers sa géographie particulière, est une allégorie des côtés les plus sombres et les plus douloureux de notre personnalité. Entrer dans ce pays, c'est faire une escapade du côté de son monde intérieur afin d'en accepter toutes les facettes pour avancer avec authenticité dans la vie, et c'est un voyage qui a vraiment du sens. La beauté de l'histoire, elle tient en grande partie dans les rencontres et les découvertes qu'Antonio va faire, et vous en parler, ce serait un peu comme vous dévoiler les clés d'un polar. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que Le Pays des Rêves Oubliés est une histoire sur les regrets, la quête de soi, mais aussi et surtout sur les liens. On y parle de rencontres manquées, de celles qu'on aurait préféré ne jamais faire, ou encore de celles qui changent toute une vie, et très souvent dans l'histoire, ce sont les trois qui se mélangent en même temps. Pour le reste, on est sur une aventure avec une succession d'événements, mais l'écriture de l'auteur, elle va garder un rythme assez tranquille et posé. On n'est pas sur un page-turn qu'on va bouffer en 2 secondes avec le cœur qui palpite, mais plus un roman très singulier où on va savourer chaque détail. Après, il y a quand même un fil conducteur bien concret dans cette histoire et un mystère à résoudre, donc on n'est absolument pas non plus dans de la contemplation pure. Pour l'anecdote, il faut que vous sachiez que Lavinia Petit avait 17 ans quand elle a écrit ce roman, et je trouve ça époustouflant. Quand j'ai refermé le livre, j'avais le cœur tout gonflé d'émotions à cause de l'histoire, mais aussi parce que je me dis qu'on a vraiment des auteurs contemporains plein de talent qui nous réservent encore plein de merveilles dans les années à venir, et ça fait du bien.
Pour la petite histoire, immédiatement après avoir acheté ce livre, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram par le biais de stories dans lesquelles je donnais mes impressions de lecture au fur et à mesure, et les éditions Seuil ont vu ces stories, et compte tenu de mon avis très positif et emballé, elles m'ont donc proposé de vous faire gagner 2 exemplaires de ce livre, et vous vous doutez bien que j'ai dit oui plutôt 2 fois qu'une. Donc si vous voulez tenter votre chance pour gagner un exemplaire du Pays des Rêves Oubliés, tout ce que vous avez à faire c'est à vous rendre sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos, qui vous dirigera vers un formulaire d'inscription au concours, et paniquez pas, ça prend même pas 1 minute. Sur ce formulaire, je vous demande de renseigner votre adresse mail afin que les éditions Seuil puissent vous contacter dans le cas où vous avez gagné et avoir vos coordonnées pour vous envoyer votre exemplaire, et j'ai aussi posé une petite question à laquelle vous pouvez absolument répondre par un mot ou un pavé, c'est juste pour le plaisir de vous lire. Le concours débutera à partir de la mise en ligne de cette vidéo jusqu'au 1er août à 7h30 du matin. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et j'annoncerai leur nom sur Twitter. Par contre, pas de panique, si vous n'avez pas Twitter, grâce à votre adresse mail, on pourra quand même vous contacter. J'espère que ce concours vous fait plaisir. Pour ma part, j'en profite pour remercier les éditions Seuil de leur proposition parce que j'ai trouvé ça sympa qu'on pense à vous. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous quitter, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez un joli souvenir que vous aimeriez me partager en commentaire ? En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, a priori ce sera dans 2 semaines, je vous laisse comme d'habitude, je l'espère, entre les pages d'excellents livres, je vous remercie d'être là, et je vous fais un gros bisou qui, je l'espère, terminera pas à Tir Nahil. Mouah !